L'affaire commença par une série d'événements semblant n'avoir aucun lien entre eux. Un incendie dans un entrepôt de Stepney, deux ouvriers grièvement blessés et un pompier tué. On avait d'abord entendu une explosion et l'incendie s'était déclaré. Puis, dans une rue proche du lieu du sinistre, on avait trouvé le cadavre d'un homme frappé de 4 coups de couteau. Un passant croyait l'avoir vu courir désespérément comme quelqu'un essayant de fuir un grand danger. Mais il ne pouvait l'affirmer, tant de gens affolés couraient à ce moment-là. L'affaire fut confiée à l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard, ce qui allait nous placer, Sherlock Holmes et moi-même, dans une des situations les plus périlleuses de notre vie. Rien du tout. Rien, monsieur. Aucune marque de tailleur, pas de papier sur le corps. S'il y avait des marques, monsieur, on les a décousues. Et aucun papier dans ses poches. Bien, mais cette boue sur ses chaussures. Le laboratoire l'examine depuis hier soir, monsieur, mais jusqu'à présent sans résultat. Et pourquoi n'ont-ils pas de résultat? Pourquoi? Pouvez-vous me le dire? À quoi cela nous sert-il d'avoir un laboratoire s'il ne doit nous obtenir aucun résultat? C'est ce que je pense aussi, monsieur. C'est ridicule! Comment pourrais-je jamais résoudre une affaire de meurtre si je ne trouve aucune aide dans nos propres services? C'est ce que je pense aussi, monsieur. Aucune coopération dans cette maison! Il faut que je fasse tout par moi-même! Monsieur, et pourquoi ne pas aller faire un prélèvement au laboratoire et aller chez lui, monsieur? Je suppose que ça vaudrait mieux. Ça vaudrait mieux, c'est certain, monsieur. C'est ce que je pense aussi. Très bien, passez au laboratoire. Et là, vous allez faire un prélèvement debout et vous me retrouverez dans la rue. Je vais envoyer chercher ma voiture. C'est parfait, monsieur. Wilkins. Monsieur? Voyons, vous avez dit d'aller chez lui. Mais d'aller chez qui? D'aller chez Monsieur Sherlock Holmes afin de lui demander d'analyser cette boue pour nous. Comment avez-vous deviné ma pensée? Aurais-je prononcé son nom? Sans doute, monsieur. Ah, c'est sûr? Je ne sais plus, monsieur. Peut-être l'ai-je fait. Je suppose que oui, monsieur. Ah, supposons-le. Je vous attends dans la rue. Oui, monsieur. Une chose est certaine, inévitable. Oui, inévitable. Et désagréable. Du train où vont les choses, je vais être obligé de demander à ce Sherlock Holmes de prendre ma place. Mais que faites-vous? C'est une violation de domicile. Vraiment, Holmes, c'est indigne de vous. Une violation de domicile de qui? C'est justement ce que j'aimerais savoir. Je ne fais que violer mon propre domicile. Que voulez-vous dire? J'observais une chambre de l'autre côté de la rue. Oh, je sais, je vous ai vu. Oui, il se trouve que c'est une chambre que j'ai louée ce matin pour une semaine. Vous voulez déménager? Oui, je veux y aller avec mon télescope et puis de là surveiller cette chambre ici. Voyons, vous perdez la raison, Holmes. Oh non, j'ai une très bonne raison. Oui, quelle est cette raison? Eh bien voilà, j'attends un voleur. Oh, vraiment? Et vous avez rendez-vous avec lui? Je comprends vos réactions, mon cher Watson, mais je suis parfaitement sérieux. Pour quand attendez-vous ce voleur et pourquoi? Je vous expliquerai toute la situation de l'autre côté de la rue. Pendant que nous pourrons nous espionner nous-mêmes ici, de là-bas. Oui, vous avez enfin saisi. Très bien, je m'excuse, il y a des moments où j'oublie que nous accomplissons des miracles. Voilà, tenez, regardez. Nous verrons merveilleusement bien d'ici. J'hésitais à aborder ce sujet, mais je ne vois pas comment, nous étant ici, nous pourrons nous observer là-bas, même avec votre télescope. Maintenant, je me dois d'éclairer votre lanterne, Watson. J'ai voulu déménager et venir m'installer dans cette chambre à la suite de la réception d'une lettre menaçant ma vie si j'acceptais dans une certaine affaire d'utiliser des preuves devant Maître Fourny. Mais quelle affaire, quelle preuve? Ah, c'est le hic. On ne m'a encore pressenti pour aucune affaire et je ne possède aucune preuve. Mais quelqu'un croit que vous les avez? Apparemment. Et que doit voler le voleur que vous attendez? Les preuves en question. Les preuves que vous n'avez pas. Très exactement. Enfin, tout de même, Holmes, étant donné que le voleur que vous attendez ne pourra voler les preuves que vous n'avez pas, vous me suivez? Oui, je vous suis.
Pourquoi voulez-vous qu'on le surveille? Bah, afin de pouvoir le suivre quand il partira et de découvrir pourquoi l'homme qui devait entrer en contact avec moi n'est pas entré en contact avec moi. Ça me semble limpide. Ah! C'est lui? Non, 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 non. C'est notre ami, l'inspecteur. Je me demande ce qu'il nous veut. Peut-être nous laissera-t-il un mot. Je vais aller lui dire que nous ne sommes pas là. Ah non, 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 il pourrait vouloir arrêter notre voleur et ça nous empêcherait de le suivre. Ils ne répondent pas. C'est exact. Peut-être bien qu'il... Ouvert. C'est exact. Monsieur Holmes! Dr. Watson! Monsieur Holmes! Dr. Watson? Ils sont sortis. C'est exact. Monsieur Holmes! Docteur Watson? Que croyez-vous qu'ils vont faire? Ben, je ne m'attendais pas à ça. J'espère qu'ils vont s'en aller. Ils n'ont pas l'air d'être impatients. Je vois ça. Ils n'ont pas dû aller bien loin. Sans ça, ils n'auraient pas laissé la porte ouverte. Bon, ils vont revenir. C'est exact. Vous y connaissez-vous en chimie, monsieur? Vous dites? Chimie, monsieur. Ne soyez pas ridicule. Je pensais seulement, monsieur, que les appareils de monsieur Holmes sont ici et qu'on a un peu de cette boue. Êtes-vous devenu fou? Est-ce que j'ai une tête de chimiste? Tous les livres de monsieur Holmes sont ici. Nous pourrions opérer nous-mêmes et montrer à monsieur Holmes que Scotland Yard le vaut bien. Ah, cette pensée vous honore. Je vous félicite pour cette excellente idée. Non. Oh, ça ne marchera pas. On ne peut pas faire une analyse en consultant un livre comme ça. Je suppose que c'est exact. Et j'ai cru que ça ne serait pas plus difficile que si on suivait un livre de cuisine. J'ai eu l'occasion d'aider M. Holmes pendant que vous étiez sur l'affaire de Lady Beryl. Je m'en suis assez bien tiré, monsieur. Très intéressant. Comme si on suivait un livre de cuisine. C'est exact, monsieur. Vous savez, je sais un peu cuisiner. J'ai même réussi une omelette un jour. Ces deux idiots vont faire sauter la maison si on ne les arrête pas. Je ne le crois pas, Watson. Ils ne s'en tirent pas mal du tout. Ils sont en train d'analyser quelque chose en suivant les instructions données par le livre. Holmes, regardez. C'est peut-être votre voleur. Nous allons vite le savoir, Watson. Il va tomber dans les bras de Lestrade. Je ne fais rien. Nous n'avons plus qu'à attendre qu'il sorte de la maison et nous le suivrons. Maintenant, que fait-on? Vous ajoutez deux gouttes de KCL dans H3OH lentement. Tenez, monsieur. Deux gouttes, c'est ça? C'est exact, monsieur. Faites attention. Je fais attention. Vous voyez bien que je fais attention. Alors ne m'énervez pas.
et que si vous tremblez, monsieur, tout sera à recommencer, monsieur. Non, taisez-vous. Attention, monsieur. Silence. Silence. Cette fois, c'était la porte, monsieur. Eh bien, dites d'entrer, vous voyez bien que je n'ai pas le temps de parler. Oui, c'est exact, entrez. Entrez. Monsieur Holmes, heureux de vous rencontrer. Je présume que vous m'attendiez. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps, Monsieur Holmes. Je suis ici parce que je sais que vous connaissez bien l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. C'est exact, n'est-ce pas? Mais oui. Je le connais aussi bien que je me connais moi-même. Charmant garçon, l'inspecteur, intelligent aussi. Alors dites-lui de ma part que l'incendie qui a détruit l'entrepôt hier soir et a causé la mort d'un des pompiers n'était pas un accident. Vraiment? Et en cet instant même, un autre vient d'éclater dans un pâté de vieille maison de Covent Garden. Quoi? Et à moins que la couronne ne soit prête à verser 50 000 livres dans une banque étrangère, que je lui désignerai, ces incendies continueront, et personne ne pourra s'opposer à mon plan. Je crois que c'est allé un peu loin. Non, monsieur Holmes. Vous avez la réputation d'être un homme avisé. Nous nous reverrons demain matin. Pas ici, évidemment. Un message vous indiquera où me rencontrer. Et n'oubliez pas, venez seul. N'essayez pas de me suivre, je suis très bon tireur. Et pour vous prouver que cette affaire est sérieuse, il y aura un autre incendie ce soir à 6h. Un bel incendie. Ça n'est pas du tout ce que j'attendais. Watson, suivez cet homme. Oui. Il faut que je parle à Lestrade. Ah, Watson, soyez très prudent, il pourrait tirer sur vous. Et c'est exactement ce qu'il a dit, vous en êtes sûr? Oui, je crois que oui, n'est-ce pas, Wilkins? C'est exact, c'est ce qu'il a dit, monsieur. Toute cette affaire est fantastique. C'est un chantage imposé à la couronne. Et il ne bluffait pas. L'incendie de Covent Garden continue à faire rage. Non, Lestrade, il ne bluffait pas. Il l'a prouvé avec l'incendie d'hier soir et le meurtre de l'homme qui, sans aucun doute, était son complice. Et pourquoi le docteur Watson ne revient-il pas? Rassurez-vous, Watson ne le perdra pas. Il a dit qu'il y aurait un autre incendie à 6h. Eh bien, nous avons encore 3 heures devant nous. Oui. Et une ville entière à fouiller pour essayer de savoir où il va éclater. Mmh. C'est peut-être Watson qui revient. Inspecteur Lestrade. Oui. J'apporte un message de la part du docteur John Watson. Je vous écoute. Il m'a chargé de vous dire qu'il a suivi l'homme jusqu'au 43 Chester Street à Bayswater. Et? Il dit aussi qu'au moment d'entrer dans la maison, l'homme a été tué d'un coup de feu. L'assassin s'est enfui et l'homme est mort sans avoir pu parler. Et quelque part dans Londres, il a placé une bombe qui doit exploser dans 3 heures. L'arme était de petit calibre. Mais on s'en est servi avec précision, il a été tué sur le coup. Et vous n'avez aucune idée du signalement de l'assassin, docteur? Aucune. C'est que je me tenais assez loin de lui pour qu'il ne s'aperçoive pas que je le suivais. L'assassin est sorti de la maison par la porte de derrière. Nous n'avons que 2h30 pour découvrir le secret de cet homme. Où est déposée la prochaine bombe? Oui. Lestrade, avez-vous remarqué ceci ce matin en fouillant sa chambre? Oui, naturellement, c'est une valise toute neuve. Mais il n'est pas question de le retrouver grâce à elle. On en vend dans plus de 1000 boutiques à Londres. On ne se souviendrait pas de lui. Bah, mais on se souviendra peut-être d'un homme qui est venu en acheter 4. Pourquoi 4? Voyons, il est certain que tous ces incendies ont été provoqués par des bombes incendiaires à retardement. Et il a bien fallu les transporter, n'est-ce pas? Et il y a eu un incendie hier soir, un cet après-midi, et un autre est prévu pour ce soir à 6h. Et ça pourrait bien être le quatrième. Eh bien, il faut chercher un homme ayant acheté 4 de ces valises. Vous avez raison, je vais m'en occuper immédiatement. Non, une dernière chose, Lestrade. Oui? Qu'essayez-vous donc d'analyser dans mon laboratoire ce matin?
De la boue qui provenait des semelles de l'homme qui a été tué hier. Il est possible que cette boue nous renseigne. Oui, j'en ai déjà fait un prélèvement que je comparerai avec celui de l'appartement. Je vous ferai prévenir à Scotland Yard si ça donne quelque chose. Je n'en bougerai pas une seconde. Avec un peu de chance, nous trouverons la boutique où on a vendu 4 valises. Oui, et il faut espérer qu'il n'en ait acheté que 4. De retour à Baker Street, nous nous mîmes immédiatement au travail pour analyser la boue trouvée sur les chaussures des deux victimes. Elles avaient bien la même origine. Nous étions sur la bonne piste. Mais où allait-elle nous conduire? Six heures approchaient. Aurions-nous terminé notre analyse à temps? Et surtout, son résultat allait-il nous indiquer l'endroit de Londres où la mort était enfermée dans une valise? De son côté, l'inspecteur Lestrade avait mis en action toutes les forces de Scotland Yard. Une patrouille avait été désignée pour chaque quartier de la ville. Et les hommes du Yard parcouraient toutes les boutiques des quartiers qui leur avaient été assignés. À l'inspecteur Lestrade que j'ai trouvé. Explosif au nitrate. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense, monsieur, que c'est l'ingrédient de base de la dynamite. Monsieur Holmes vous a donné ça? Oui, monsieur. Allô, laboratoire. Mais où diable ont-ils pu récolter ce nitrate? Ah, c'est le problème, ça c'est certain. Sortez! Allô, laboratoire. Ici l'inspecteur Lestrade. Pourriez-vous me dire où quelqu'un peut attraper des traces de nitrate sur ses chaussures? À Londres? Évidemment, à Londres. Le seul endroit auquel je pense pour le moment, c'est l'entrepôt militaire de Knightsbridge. C'est le seul endroit? Le seul auquel je pense pour le moment. Écoutez, donnez-moi un peu plus de temps, et je pourrais peut-être trouver d'autres endroits. Donnez-moi un peu plus de temps. Je voudrais bien. L'entrepôt militaire de Knightsbridge. Retournez à Baker Street, dire à M. Sherlock Holmes que je pars en avant. Vous l'amènerez là-bas aussi vite que possible. Allez. Si nous faisons une erreur, nous n'aurons pas le temps de la réparer. C'est défendu d'entrer. Inspecteur Lestrade, de Scotland Yard. Monsieur, l'inspecteur Lestrade vous demande à l'entrepôt militaire de Knightsbridge. Entrepôt militaire, Holmes, c'est ça. C'est possible, et nous n'avons pas le temps d'examiner d'autres possibilités. Allons-y. J'ai une voiture qui nous attend dehors. Bon. Avez-vous remarqué quoi que ce soit de suspect aujourd'hui? Non, inspecteur, rien du tout. Tous ceux qui entrent dans cette zone, sont-ils obligés de passer devant une sentinelle? Bien sûr, ce sont les ordres. Mais les voitures de livraison? Elles sont fouillées, monsieur. Il y a des ouvriers civils qui travaillent ici. L'un d'eux est-il entré avec une valise? Oh, non, monsieur. Nous devons faire erreur. Oh, j'y pense, monsieur. Il y a des charpentiers qui travaillent ici et ils apportent leur boîte à outils. Elles sont à peu près de la taille d'une mallette. Où sont-ils? Dans ce hangar. Ils doivent être en train de se laver. Allons-y. Écoutez-moi avec attention, messieurs. Je suis l'inspecteur Lestrade, de Scotland Yard. D'abord, je voudrais savoir si les charpentiers qui travaillent ici sont bien tous là.
Je vais être obligé de... Vous demander de rester une heure de plus. Il se pourrait que nous vous demandions d'élever une barrière de protection autour du dépôt de nitrate. Pourquoi ? Notre journée de boulot se termine à 5h30. Mais vous toucherez des heures supplémentaires. Mais si on veut pas rester ? Pourquoi pas ? L'argent est toujours bon à prendre. Ces nitrates pourraient exploser en cas d'incendie. Ils étaient là hier et aujourd'hui, ils peuvent attendre jusqu'à demain. Pourquoi courir des risques ? Ça prendra une heure ou plus. Quand le saura-t-on ? Nous pourrons vous le dire à 6h. J'ai pas envie de moisir ici toute la nuit. Restez où vous êtes. S'ils veulent ma place, ils peuvent la prendre. Mais pourquoi tant de hâte? Il n'y a plus qu'une minute à attendre. Si vous avez quelque chose à dire, je crois que c'est le moment. J'ai rien à dire. Eh bien alors, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Mais de quoi aurais-je peur? Je l'ignore. Essayez d'y penser. Pensez-y bien. Quand vous nous l'aurez dit, il nous faudra encore le temps d'en détruire la raison. Dehors, près du mur, derrière la pile de bois. Faites vite! Si vous l'ouvrez, ça va exploser! Holmes, arrêtez! Couchez-vous! Watson. Quoi? Ne me laissez jamais recommencer ça. Partons. Thank you.